Salut tout le monde, c'est Jérémy Sinette. Welcome back to Let's Play Paper Mario Sticker Star. On va aller vers le niveau 10 du Mont 3. Clairière aux souches. Chaud devant. Eh ben, on n'y voit rien là-dedans. Waouh, il fait pas mal noir ici, non? Il doit y avoir une lumière quelque part. Mesdames et messieurs, désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons une bonne émission pour vous ce soir. Oh oui, c'est le moment de jouer à... Pas de fumée sans... Sniff it! Nous sommes de retour cette semaine avec un nouvel épisode de Pas de fumée sans Sniff it! Je suis votre animateur, Sniff it! Pendant les 30 prochaines minutes, notre invité spécial devra faire face à 3 défis absolument captivants. L'invité d'aujourd'hui est la crème de la crème, oui, l'homme que nous détestons tous, Mario! C'est bien cela, si notre invité est assez sniffé pour l'emporter, dans les 3 jeux, il recevra ce fabuleux prix. Hein? Un segment de Wiggler? Alors, sans plus attendre, participant, es-tu prêt physiquement et mentalement à affronter? Pas de fumée sans sniff it? Mario, c'est un peu fort tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Faire face à la musique. Une fois les jeux commencés, nous ne pouvons pas garantir que tu vivras jusqu'à la fin. Es-tu toujours certain de vouloir accepter le défi? Je relève le défi. Bien, c'est la bonne réponse. Alors, commençons sans plus attendre. Et voilà le premier jeu. Choisir sous la panique. Et maintenant, je vais poser la première question, Mario. Tu dois répondre en frappant le bloc vrai ou faux. V ou X. Bien sûr, notre hilarant gaz empoisonné commencera à remplir la pièce. Alors, réponds vite. Une bouffée et tes PV vont s'envoler en fumée. Alors, commençons. Pas de fumée sans... Sniff it! Un collant marteau est plus puissant qu'un collant marteau luisant. Un collant de saut te coûtera 3 pièces. Tu peux le vendre pour 2 pièces. Sérieusement, Bowser est bien mieux que Mario. Pour frapper avec le marteau, tu appuies sur Y. Si tu as un collant de sauter, tu peux sauter sur tes ennemis avec des pics. Terminé! Seul un homme qui a tourmenté Bowser pendant de si nombreuses années pouvait rester aussi calme dans une pièce pleine de poison. Mais bon, le premier niveau est terminé, alors passons au niveau suivant. Wouh! C'est bien ça. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour notre deuxième défi. Pif, paf, tap, un sniff it. Ok, voici comment ça se passe. Nos stagiaires sniff it, nos rémunérés, sortiront la tête des trous dans le plancher, d'accord? Frappe-le avec ton marteau en utilisant B avant qu'ils ne retournent se cacher dans leur salon, mieux tu n'as qu'à frapper. 20 pour gagner. Bien sûr, il va sans dire que ce défi se déroula aussi dans une pièce pleine de poison. Si facile à respirer. Commençons immédiatement. Pas de fumée sans... Sniff it!
Terminé. Pas mal du tout, mais on s'attend à rien de moins de la part du gardien du royaume champignon, n'est-ce pas? Ce gars est assez bon avec un marteau. Le niveau 2 est terminé. Félicitations. Passons alors au niveau final. Et maintenant, mes chers spectateurs, nous voici au niveau final de Pas de fumée sans sniff it. Voici le prochain défi. Tour de passe, passe en relâche. Ok, la bonne réponse se trouve dans l'un de ces blocs. Les eaux sont toutes mauvaises. D'accord, les blocs seront mélangés. Une fois mélangés, l'excitation est à son compte alors que tu choisis un bloc. Frappe le bon bloc 3 fois et tu auras terminé. Frappe le mauvais bloc et une plaisante bagarre avec un sniffé t'attendra. Tu as compris? Génial! Nous commencerons quand tout le monde aura dit les mots magiques. Pas de fumée sans... Sniff it! Vas-y, frappe le bloc de ton choix. C'est le bloc de ton choix? Ah, ok, alors ouvrons-le. Mais bien sûr, à cette vitesse, c'est facile de sentir lequel est le bon. 2 autres bons blocs et c'est dans la poche. Et nous continuons le défi. Et on mélange le tout. Vas-y, frappe le bloc de ton choix. C'est le bloc de ton choix? Ok, alors ouvrons-le. Fabuleux, bien joué, mais ta chance est sur le point de tourner. C'est sûr que tu vas te brûler cette fois-ci. Ha! Nous avons ajouté un bloc. Bon, tu connais la musique. Frappe le bon bloc encore une fois et tu seras un gagnant. Et on mélange le tout. Wow! Il faut retrouver quel est le bon bloc. Vas-y, frappe le bloc de ton choix. C'est le bloc de ton choix? Ok, alors ouvrons-le. Terminé! Youpi! J'ai gagné! Tu as passé tout le jeu, tu n'aurais pas des gènes de sniffit par hasard? Mario, bien que ça me peine beaucoup, je me dois de t'offrir le salut sniffit légendaire. Masque t'es bon! Félicitations! Comme promis, voilà ton prix. Le voici, le voilà. Un segment de Wiggler s'est joint à toi. Malheureusement, chers spectateurs, cet épisode de Pas de fumée sans sniff it est maintenant terminé. En mon nom, votre humble animateur, Sniff it est notre invité. Mario, j'espère que vous avez apprécié le moment que nous avons eu ensemble. J'espère vous revoir bientôt pour un autre épisode enlevant de... Pas de fumée sans... Sniff it! Écoute Mario, on peut se parler, sniff it, à face 1 minute? Je dois te dire, tu as fait du bon travail là-haut. Je veux dire, on dirait que c'était même pas de vrai défi pour toi, non? C'est parce que tu es spécial et nous avons préparé un niveau spécial juste pour les gars spéciaux comme toi. Termine ce niveau spécial et tu reprendras un prix mirobolant. Et quand je dis mirobolant, je veux dire trop beau pour être vrai. Est-ce que tu es assez courageux pour faire face au défi de ce niveau spécial? Moi, je vais faire un sniff it de soie et le relever. Comme la dernière fois, nos avocats m'avertissent que techniquement, je ne peux pas garantir ta survie. Tu es certaine de vouloir continuer? Je signe ce contrat en lettres de feu.
Ça, mon cher, c'est la bonne réponse. Sans plus attendre, passons au niveau spécial. Bienvenue au niveau spécial. Je savais que notre bon vieux Mario serait attaqué pour ce défi. Pas que je souhaite te faire peur, mais cette fois-ci, le jeu va t'en faire voir des vertes et des pas mûres. Et voici notre jeu. Choisis sous la panique et tapez un sniffit. Je vais maintenant commencer le quiz. Mario, tu connais la chanson. Réponds en frappant le bloc V ou X, mais il y a, comme on dit, une attrape. Tu peux pas frapper le bloc V ou X avant d'avoir cogné 5 stagiaires. Sniffit non rémunéré. Il va falloir que tu sois vite sur tes patins pour cogner assez de sniffit et pour répondre correctement à 3 questions afin de remporter la victoire. Oh, et ne t'en fais pas car tu peux compter sur nous pour te fournir ton parfum préféré de gaz empoisonné afin de te garder en état d'alerte. Alors, commençons ce niveau spécial dès maintenant. Ok, et moi, je veux entendre, hein? Pas de fumée sans sniff it! Ça ne sort pas de ces pièces, mais la princesse Peach est en fait un homme. C'est faux! Pour frapper avec le marteau, tu appuies sur Y. Les parents de Bowser Jr. sont le roi Bowser et la princesse Peach. C'est vrai! Oh, dommage! Le corps de Wiggler a 4 segments sans compter la tête. Dommage! Tu es à la boutique de Colin de Colombourg. Un Colin de champignons coûte 15 pièces. Faux! Oh, dommage encore! Kamek peut voler dans les airs, il chevauche un balai! C'est vrai! Terminé! Mes chers spectateurs, le niveau spécial a été réussi, merveilleux, fabuleux, je dirais même digne d'un sniffit. Félicitations! Je t'avais sous-estimé, tu dois avoir du sang de sniffit. C'est maintenant tout pour les défis aujourd'hui, chers spectateurs. Mesdames, messieurs, veuillez offrir de vifs applaudissements à Mario! Wow, Mario est un ardent participant, mes chers spectateurs. En fait, j'ai moi-même encore très chaud. Merci d'avoir aidé nous ce soir. J'étais votre animateur Sniffit. À la prochaine. Hey, à propos de notre prix. Bien sûr, votre prix. Encore tombé dans une trappe. Oh. Ouh. Tu as trouvé chaufferette. Quoi? À quoi ça sert ce truc? Tu as trouvé ça.
carré. Et voilà, terminé. Oh non, pas encore. Il faut retourner vers le niveau 2 du monde 3. Ok, on va s'arrêter ici. Donc, je vous dis qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite, à la prochaine et bye bye.